This is home. It's all that's left of the once glorious realms of the Sun Goddess. Before, the land was lush. Her children thrived under the care of her lesser gods. Every creation was filled with love. Then the Moon Goddess threatened it all. Her light was pale in the bright blaze of the sun, and jealousy blackened her heart. Shadows fed off her anger and unleashed terror on our home. To cast out the darkness, the Sun Goddess shattered the realms with the brilliant light that saved us all. Yet evil still lingers in the corners of these lands, ever plotting and gaining strength. Now we call upon you. Are you ready to square your shoulders to take on the weight of the world? Earn your place in the pantheon of heroes? Well, it's time for you to prove it. Eh bien, salut à tous, c'est Nasfoux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Trove. Alors je sais, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, j'ai déjà fait une vidéo de présentation de ce jeu, et là on est sur une vidéo découverte plusieurs mois après. C'est un peu étrange, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Trove est un MMORPG free-to-play, une sorte d'univers un petit peu cubique, enfin même pas un petit peu, il est complètement cubique avec la création de maisons. Et ce jeu qui était à la base sorti sur PC est aussi sorti sur PS4. Petite chose qui par contre est un petit peu chiante, c'est que les personnages qui ont été faits sur PC ne sont pas récupérables sur PS4. C'est pour ça que je me retrouve donc niveau 1 au tout début du jeu. Putain, je suis moche avec ce masque. Donc je suis niveau 1 au tout début du jeu, et je me suis dit pourquoi pas justement refaire une petite vidéo découverte de ce jeu, parce que ça peut être sympa de montrer aux gens que donc ce jeu est devenu complètement gratuit. Alors on va par contre customiser un petit peu notre perso. Non, là je vois rien. Hop, voilà, on va customiser un peu notre perso. Voilà, on a donc nos cheveux noirs, donc on est au tout début du jeu. Il est possible qu'il y ait des chutes de frame, enfin des chutes de FPS, etc. Le jeu est pas terminé, les camps bêta sur PS4, mais en tout cas je suis vraiment content qu'ils aient mis ce jeu, parce que même s'il paraît très enfantin, il est très addictif comme jeu. Je peux vous dire que j'ai passé mais tellement d'heures, je crois que je suis à plus de 100 heures sur Trove, et jouer avec ses potes c'est vraiment cool, surtout quand vous organisez tout ce qui va être donjon et compagnie. Alors je crois que j'ai des sorts, voilà, j'ai un truc qui stun, hop, et j'obtiens c'est un masque. Par contre on va le mettre en cachet parce qu'il est pas très joli. Bref, on a eu un coffre aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est une épée, on va la prendre, on verra bien. Et ça, c'est un arc. Ok, on a un arc et une épée. Je crois que c'est une masse. Alors, j'ai un coffre en bas à droite qui arrête pas de bouger, je sais pas comment on l'ouvre. Clems, voilà, c'est ça. Hop, je récupère tout. Ensuite, faut que j'aille où? Appuyer sur la flèche du haut. Ok, ça, c'est mon inventaire. Ah, ok, faut que je reste appuyé sur la flèche du haut pour revenir au hub central du jeu, d'accord. Les commandes sont un peu étranges, même très, très étranges, je trouve. Mais après, voilà, c'est ce qui se passe quand un jeu PC passe sur PS4, il faut vraiment bien... Faut arriver à tout faire, quoi. On est donc au hub central PS4 qui rame à mort. On va aller donc dans une des zones du jeu. On va aller à la zone verte, je pense. Je suis niveau 1. Ça doit être bon. Pour niveau 1 à 3, oui, c'est bon. Alors par contre, je ne pense pas que les joueurs PC puissent jouer avec les joueurs PS4. Je pense pas que ça soit faisable, ça. Cet endroit, c'est pour faire spawn les maisons. Je vais vous montrer. Normalement, j'ai pas de maison, moi. Ouais, voilà, j'ai absolument aucune maison. Donc ça, c'est un peu dommage. Oh, what? What the fuck? Il y a des gros problèmes. On a des chats rapides, tenez, je viens de voir. C'est pas ce que je cherche. Alors, j'ai un coffre, on va l'ouvrir. Ah, c'est pour débloquer un perso gratuitement. Je sais pas s'il y a des persos qui m'intéressent vraiment là-dedans. Pourquoi pas le revenant? Je l'ai jamais testé. Voilà, hop, on l'a débloqué. Bon, je comprends pas tout à ce que le didacticiel me demande, mais c'est pas grave, je vais vous montrer un peu le jeu. Merde, je me fais agresser. Alors, attendez, on va le stun. Voilà. Hop, ça dégage, et je suis passé niveau 2. Ok, parfait. Après, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez pouvoir améliorer votre perso, que ça soit ses dégâts, sa vitesse d'attaque et tout. J'aimerais bien vous montrer un petit donjon. On va essayer un donjon, ça peut être cool. Alors, là, il y a un donjon, mais il y a une énorme croix rouge, ça veut dire qu'il vient d'être fait. Donc, je ne peux pas le faire. On va s'éloigner et essayer de trouver un autre donjon. Ça, c'est peut-être un autre donjon, ça. Ouais, alors par contre, il y a des énormes bugs. Allez, on va aller dans le donjon. Hop, on va tout de suite au boss. Bonjour. Oh merde, il y a deux boss. Non, ça devait être en mode normal. Ça doit être le boss. Ouais, il y a des bugs de serveur parce qu'on voit les mobs se TP et tout. Et je suis passé niveau 3. On ouvre le coffre. Alors,
Un arc, je crois. Ouais, c'est un arc. Je vais le prendre, mais je le détruirai. Et ça, ce sont... pop, pop, pop. Je sais pas ce que c'est. C'est encore un arc. Arrêtez de me donner des arcs. Je m'en fous, moi, des arcs. Alors, si je continue un peu vers là, devrait y avoir un autre donjon. Donc, il y a pas vraiment d'objectif réel dans le jeu. C'est plus vous jouez, plus vous montez de niveau, plus vous allez dans des mondes puissants. Et au bout d'un certain moment, vous pouvez accéder... je sais pas vraiment... Une sorte de zone... qui pop à des endroits aléatoires et qui est très très puissante mais qui vous donne du loot de porc, y a pas photo. Alors attendez, je viens juste voir le boss. Donc vous, je m'en fous, il est là le boss. Alors voilà, y en a, ils vont me dire, ouais mais Ness... Oh l'enfoiré, il a fait spawn des pics. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une touche d'esquive, j'avais oublié. Eh, cadeau. C'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai des spawns comme... J'ai des bombes comme pouvoir. Hop, le coffre. Ah, j'ai un item un peu plus intéressant. Ça, déjà, c'est quoi? C'est un arc. Mais allez vous faire foutre. Et ça, c'est un truc pour le visage, mais... Il m'enlève des dommages critiques, de la vie maximum, mais il augmente ma régénération de vie. Ouais, bof, hein. Pas terrible, terrible. Donc ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être du farm pur et simple. Oh, le 1047 qui s'est bouffé avec la bombe. Vous attendez pas à une... Oula, vous attendez pas à une histoire de fou, à des rebondissements. Y a pas de dialogue, l'histoire, y en a même pas, je crois. Enfin, y a juste la cinématique du début que vous avez vue. C'est pas un jeu de fou. Voilà, ça c'est ma maison, je viens de la faire spawn, donc ça c'est pour reprendre ma vie et mes potions. Parce qu'on a des potions de soins, j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, c'est juste un jeu de farm et d'amusement avec vos potes. Donc vous attendez pas à un truc... Un truc de fou. Hop, je viens juste voir le boss qui doit être là. Ah, il est là. Le boss, c'est très souvent le même parce que là, on est dans la zone des démons. Mais par exemple, si on allait dans la zone des gâteaux, ce serait d'autres types de boss, etc. Chaque zone a ses propres boss. Et un masque qui est pourri. Et un autre masque qui est pourri aussi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être un peu de ménage dans l'inventaire parce qu'il commence à y avoir pas mal de choses. Alors, comment est-ce qu'on les détruit? Ah non, faut pas les détruire, faut les emmener à sa maison. Attendez, on va crafter un truc pour notre maison. Alors voilà, c'est ça qu'il me faut. Pour le crafter, il me faut 10 ressources violettes. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas comment est-ce qu'on mine dans ce jeu. Enfin, sur PC, je sais, mais alors sur console, j'ai absolument pas la moindre idée. Est-ce qu'on t'explique les touches? Contrôle. Ah, oh, va se faire foutre. Parce qu'en fait, vous voyez là, les blocs violets, vous voyez là, c'est une ressource très importante du jeu. Il y a du violet, du bleu, de l'or. Ces ressources vont vous permettre des échanges, vont vous permettre des crafts, etc. Mais la question est, comment est-ce que j'active le mode... Ah ok, je viens de comprendre. En fait, pour activer le mode construction, il faut faire les objectifs qui sont en haut à droite. Mais comme je parle pas très bien anglais, je préfère laisser tomber. Bref, je pense qu'on a vu un peu tout. Alors oui, ça a été très rapide de tout vous montrer. Bah, simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses dans le jeu. C'est vraiment juste du farm et c'est tout. Du farm, des donjons et tout. C'est un jeu qui est gratuit, je le rappelle bien. Vous pouvez payer pour avoir des skins, pour avoir des accessoires et tout. Mais sincèrement, c'est totalement jouable gratuitement. C'est pas le genre de jeu où tu te forces à payer pour obtenir plus de trucs. Bref, les amis, on va se laisser là. C'était juste une petite vidéo découverte, surtout pour vous dire que voilà, il est sorti sur PS4, il est gratuit. Donc si vous avez une PS4 et que vous avez jamais testé, pourquoi pas l'essayer? Ça coûte pas cher. Faut dire c'est gratuit. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.